Bien, vamos a dar, por lo tanto, paso a la tercera ponencia. Hay que decir que constituye desde luego un auténtico honor y una responsabilidad científica presidir esta sesión para dar paso, dar la palabra, bueno, a un historiador que uno ha leído, que ha tratado, que ha disfrutado y que hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de vernos personalmente. El profesor Almarí, que para mí es un lujo, profesor. Bueno, permítame que lo diga porque así lo siento. Un lujo barato. No. Bueno, es usted un referente. Es usted un referente. Bien, el profesor Almarí de la Universidad de Toulouse va a hablar sobre entre aliadófilos y germanófilos las élites intelectuales españolas en el contexto de la Gran Guerra. Adelante, profesor. Muchas gracias. Je suis très touché de me retrouver dans ce colloque autour des fouilles de Bello parce que cela me donne l'occasion de rendre hommage à un de mes amis très chers et collègues pendant de longues années, Claude Domergue, qui a consacré une grande partie de son énergie, qui est farouche, et je crois de son efficacité, au redémarrage, en réalité, je crois, des fouilles de Bello. Et je pense que Bello ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est sans l'implication personnelle de Claude. Je tenais à lui rendre cet hommage d'amitié. Je remercie évidemment les organisateurs d'avoir pensé à m'inviter pour aborder en fait une question qui n'est pas centrale mais qui est contextuelle par rapport aux fouilles de Bello, puisqu'il s'agit en somme d'appréhender, de mieux cerner quelle a été la position de Pierre Paris en particulier lorsqu'il a eu en main la possibilité d'ouvrir ce chantier de fouilles. Dans le rapport, le premier qu'il a publié, que l'on trouve dans le bulletin hispanique de 1918, il indique très clairement que l'École des hautes études hispaniques a obtenu le 2 octobre, c'est ce qui nous avait été dit hier par Jean-Marc Delaunay, le 2 octobre 1914, l'autorisation de faire des fouilles sur l'emplacement d'une ville antique qui porte aujourd'hui le nom de Campo de Bologna. Nous avons aussi eu la bonne fortune d'associer à notre entreprise, en signe d'excellente confraternité scientifique franco-espagnole, la Junta para Ampliación de Estudios Científicos e Históricos. Je reviendrai un instant sur cette mention liminaire qui me paraît très importante et qui n'a peut-être pas été assez relevée dans les interventions que j'ai pu entendre. La guerre, poursuit-il, ayant mobilisé tous les jeunes savants de l'école, l'ouverture des chantiers a dû être retardée en 1917. C'est alors que le directeur, c'est-à-dire lui, pour éviter de longs retards, s'est décidé à commencer lui-même l'exploration en mai 1917. Je crois que ces lignes sont quand même très importantes parce qu'elles nous montrent à quel point la guerre a paralysé totalement le démarrage des fouilles de Bello. Alors, outre l'explication qui est ici donnée, c'est-à-dire l'absence, le manque d'archéologues qualifiés, je pense que les circonstances de la guerre dans lesquelles s'est trouvé immédiatement impliqué Pierre Paris sont un facteur encore beaucoup plus déterminant qu'il n'évoque pas dans ce rapport scientifique, mais qu'il évoque très largement dans d'autres textes dont je vous citerai tout à l'heure quelques éléments. Il faut donc fondamentalement en revenir à ce fait de la neutralité de l'Espagne pendant la Grande Guerre. Cette neutralité, qu'elle lui ait été imposée par ses faiblesses, et notamment ses faiblesses militaires, ou qu'elle ait été conçue par ses gouvernants comme un choix stratégique savant, ce dont on peut douter,
Loin de trouver dans la population une massive adhésion, elle ne tarda pas au contraire à provoquer en Espagne une violente scission de l'opinion. Une fracture profonde, je dirais même un séisme aux multiples répliques qui, d'une certaine manière, je pense que tous les historiens du XXe siècle aujourd'hui en conviennent, amorce et préfigure les déchirements à venir, pour une grande part. Alors, l'historiographie désormais a consacré et retenu les deux termes par lesquels les deux camps se sont désignés ou ont été désignés pendant la guerre, et que j'ai repris dans le titre. Je sais que les Français n'en sont pas très familiers et qu'ils sont, si on comprend bien de quoi on parle, quand on parle des germanophilos, ça se traduit facilement en français, les germanophiles, c'est-à-dire, en fait, les partisans, non pas de la seule Allemagne, mais des empires centraux, car il y a aussi, on en parle beaucoup moins, mais il y a quand même l'Empire austro-hongrois. Et il y a même la Turquie, mais alors là, la Turquie, on n'en parle pas du tout. Ou l'Empire ottoman, excusez-moi. Et d'autre part, les aliadophilos. J'ai toujours eu beaucoup de mal à traduire ce mot avec mes étudiants. Les aliadophiles, en français, vraiment, ça ne donne rien. Donc, j'ai renoncé et je garde le terme espagnol. Cet affrontement a revêtu une violence dont on a peu idée, au point que une des voix qui se sont élevées du côté des aliadophilos, et avec la véhémence qu'on lui connaît, celle de Miguel de Unamuno, n'hésite pas à voir dans cet affrontement une véritable guerre civile, je le cite. Como guerra, en la guerra civil de Europa, y toda guerra civil es siempre una revolución. Porque esta guerra ha suscitado la guerra civil también en España. España está hoy en guerra civil, aunque no andemos a tiros unos contra otros. Et je pense que de ce point de vue, Unamuno ne se trompait pas. Il ne se trompait pas quand je lis dans le bulletin hispanique. On est étonné quand on lit les bulletins hispaniques publiés pendant la guerre de voir que une bonne moitié de la pagination est consacrée justement à cette actualité, à l'actualité de la guerre, et non pas à des travaux académiques. Et par exemple, Ernest Mérimée, directeur, si je ne me trompe, de l'Institut français à cette date, co-directeur. Ou co-directeur, merci, je me retourne toujours vers mon censeur, Ernest Mérimée, qui était pourtant un homme austère, enfin, écrit dans un témoignage sur l'état de l'opinion et sa manifestation à Madrid. Et il écrit ceci. « L'Espagne est donc neutre, mais jamais, je crois, neutralité n'a été plus agitée, plus passionnée. Dès le début, chacun a pris parti. Germanophilo, francophilo. C'était l'inévitable question qui vous assaillait à tous les coins de rue. C'était devenu une sorte de sport. L'on n'en mit pas si peu son opinion dans sa poche. Ce fut alors, en effet, que naquit, il nous donne là une anecdote assez amusante, que naquit l'industrie des boutons révélateurs. On les vendait sur les trottoirs de la Puerta del Sol, petite marionnette articulée qui avait la prétention incongrue de représenter un illustre politique contemporain. Ces boutons, aux couleurs des nations belligérantes et ornés souvent de portraits, permettaient aux porteurs d'afficher ses opinions. Alors, je n'ai jamais vu ces boutons, je ne sais pas si un musée historique en conserve, mais enfin, ça nous montre que la division de l'opinion était dans la rue et se manifestait de façon ostensible. Alors, bien entendu, elle ne se manifestait pas que dans la rue. Il faut cependant distinguer, je pense, le monde rural et le monde urbain. Dans le monde rural, il est certain que ce conflit se trouva extraordinairement
amortie ou même ignorée par le faible niveau d'alphabétisation, comme le montrait une des citations qui nous a été tout à l'heure projetée de cette Anglaise possible espionne. Dans les villes, c'est une autre paire de manches. C'est réellement l'Espagne urbaine qui se mobilise et elle le fait à l'instigation moins des politiques, je veux dire des élus en particulier, que de ce groupe social qui joue à ce moment-là un rôle déterminant, qu'a si bien étudié et illustré Paul Aubert, je veux dire le groupe des intellectuels. La mobilisation des intellectuels provoque effectivement, donne en tout cas à ce conflit une portée que l'on ne pouvait pas soupçonner avant la fin de la guerre. C'est ce que a tenté d'ailleurs d'étudier dans un livre récent et dans l'ensemble très recommandable, un professeur de Gérone, Maximiliano Fuentes Codera, dans un livre paru en 2014, España en la Primera Guerra Mundial, avec un sous-titre que je crois très justifié, Una mobilización cultural. Ça a été en effet une mobilisation culturelle. Dans cette mobilisation culturelle, les représentants des puissances belligérantes tiennent évidemment un rôle important. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, je le signale simplement. Il est certain que du côté des empires centraux, l'ambassade d'Allemagne est particulièrement active, animée par le prince Max de Ratibor. Elle s'appuie d'ailleurs sur une colonie d'Espagnols assez importante, que l'on évalue entre 50 et 80 000 habitants, auxquels s'ajoutent effectivement des prisonniers pour divers motifs, ce que nous disait Jean-Marc Delaunay hier, des marins bloqués, etc. Bref, une population allemande, mais il y a aussi une population allemande établie en Espagne et de longue date, faite d'ingénieurs, de commerçants et encore d'autres activités, qui va être largement mobilisée au service de la cause nationale. J'ajoute que l'ambassade dispose pratiquement d'un organe d'information qu'elle contrôle, une agence de presse, l'agence Wolf, qui elle-même alimente de nombreux courants d'information, et que d'autre part, elle ne néglige pas des participations financières qui lui assurent le contrôle ou en tout cas les faveurs de bon nombre de journaux. Je ne vais pas ici les énumérer. Encore une fois, les travaux de Paul Aubert nous en avaient donné un détail remarquable. Mais enfin, par exemple, le journal ABC, qui est déjà un journal important et qui à plusieurs reprises a reçu du financement de ce côté-là. Alors, cela dit, il ne faut pas, diaboliser de façon unilatérale, car l'ambassade de France, qui est dirigée par l'ambassadeur Léon Jauffray, n'est pas en reste. Sans doute réagit-elle quand même avec un temps de retard, d'après les témoignages que l'on peut voir, notamment dans le bulletin hispanique, tout simplement, et qui sont donnés à chaud. Il n'en reste pas moins qu'elle s'appuie elle aussi sur une colonie française qui n'est pas négligeable en Espagne, qu'elle recourt aussi à des organes de presse, qu'elle finance plus ou moins largement, par exemple un des journaux les plus lus, El Imparcial, lui doit reconnaissance, disons, mais elle interviendra aussi dans le financement d'organes alors spécifiques qui vont apparaître pendant la guerre et dont je vais parler et dont le plus remarquable, le plus important, c'est l'hebdomadaire Espagne qui recevra très vite un financement sous forme d'achat d'exemplaires
de la France, mais aussi et surtout peut-être d'ailleurs du Foreign Office, qui lui fournirait pendant toute une période 1000 pesettes par numéro paru, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui entraînera d'ailleurs le départ de son premier directeur, qui n'est autre que José Ortega y Gasset, qui répugne un peu à ce mode de financement. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, les leviers d'action des puissances belligérantes sur l'opinion sont importants, et ce serait le thème d'une autre communication que de les détailler davantage. Donc je passe, et j'en viens, si vous voulez bien, car l'heure tourne, j'en viens à la mobilisation, cette fois, des intellectuels. Alors, la mobilisation des intellectuels se déroule principalement dans deux foyers qui sont Madrid et Barcelone. On m'excusera de ne pas m'apesantir sur le cas de Barcelone, où dont la situation est un peu différente à cause de la puissance qu'a déjà conquise dans cette ville les voix du nationalisme catalan. Et ce qui donne à cette mobilisation un caractère quelque peu différent. Dans le temps qui m'est imparti, je vais donc m'en tenir essentiellement à la mobilisation dont l'épicentre est à Madrid. Alors, cette mobilisation prend plusieurs caractères, plusieurs modes d'expression. L'un, c'est l'affrontement des manifestes. Ces manifestes d'intellectuels qui se succèdent tout au long de la guerre, et je ne vais pas ici non plus les citer tous, je vais vous donner seulement deux ou trois exemplaires, mobilisent chaque fois un nombre de signataires qui va d'ailleurs crescendo. Le premier, alors du côté des germanophiles, le plus notable est un manifeste d'Amistad Hispano-Germana qui date de décembre 1915. Ce manifeste a été rédigé par un auteur dont on ne s'attendait peut-être pas un tel engagement, qui est le dramaturge Jacinto Benavente, lequel d'ailleurs obtiendra le prix Nobel, ce qui ne veut pas dire qu'il ait laissé, il me semble, une trace inoubliable dans les lettres espagnoles. No sé quién lee a Jacinto Benavente, des moments. Ah, mais il a eu sa cote, sinon il n'aurait pas eu le prix Nobel. Et donc, c'est lui donc qui va être l'intellectuel le plus en vue, et il va recueillir un certain nombre de signataires, mais il faut bien reconnaître que les signataires de premier rang ne sont pas très nombreux. Et par exemple, un auteur qu'on lit encore, qui est le romancier Pío Baroja, qui se manifestera, qui manifestera ses sympathies germanophiles, mais il a un côté très égocentrique, et donc lui ne signe pas le manifeste, malgré tout. Enfin, c'est une, il s'exprime dans des tribunes, dans des déclarations qui lui sont propres. En revanche, quand on épluche les noms, peut-être n'est-il pas indifférent de relever le nom d'un archéologue, puisque nous sommes dans un congrès d'archéologues, que vous avez tous sur le bout de la langue, non ? Un archéologue, hein ? Ah ben non, surtout pas. Non, non, je pense à Bosch Gimpera, l'archéologue catalan. Ceci n'est d'ailleurs pas sans intérêt pour la suite des orientations intellectuelles de l'archéologie en Espagne. Du côté, je vois que Robert hausse. Ah, oui, mais beaucoup de gens, il n'est pas le seul à venir d'Allemagne, et c'est un point que je vais rapidement évoquer. Car effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que les intellectuels qui avaient subi l'ascendant de la science allemande, qui était allé se former à l'Allemagne. C'était le cas de Bosch Gimpera, mais c'était aussi le cas d'Ortega y Gasset. C'était le cas de Negrin. Eh bien, donc, cette formation qu'ils devaient à la science germanique les amenace à se ranger dans le camp des germanophiles. Or, ce ne fut pas le cas pour l'immense majorité d'entre eux, pas plus que pour ceux qui avaient été formés
dans le cadre de l'institution libre d'enseignance, dont on sait la vénération qu'elle avait eue pour le krausisme, cette philosophie allemande qui était sa pensée initiale. Non, la majorité, l'immense majorité quand même, si l'on fait les comptes, des intellectuels va se retrouver et a posé son nom au bas des manifestes qui sont favorables aux aliadophilos. C'est le cas du manifeste, j'en citerai simplement deux. Le premier, qui est de juillet 1915, manifeste d'adhésion à las naciones aliadas, qui a été rédigé dans une première mouture par Armando Palacio Valdés, revu et corrigé par Pérez de Ayala, et qui va déjà être signé par une pléiade, c'est beaucoup trop peu, une grande quantité de noms qui, eux, sont restés dans la littérature, car je pense qu'on les lit plus que Jacinto Benavente, s'agissant de Ortega y Gasset, de Unamuno, que j'ai cité, de Galdós, Pérez Galdós, de Valle Inclán, de Menéndez Pidal, de Machado, excusez, je ne vais pas tout le... et du côté des arts, de Manuel de Falla, pour la musique, ou encore Santiago Rusiñol et Zuloaga pour la peinture. Et puis j'y ajoute un nom sur lequel je vais revenir, vous m'excuserez, celui de Manuel Azaña. Manuel Azaña qui, à l'époque, quand il signe ce manifeste, n'est pas encore une figure, mais qui va le devenir. Et le second manifeste, c'est celui de la Ligue anti-germanophile, je traduis, qui, lui, date du début du 18 janvier 1917, qui, alors, accumule les signataires. On est presque, vous savez, comme dans les hashtags sur Internet. La presse publie des pages et des pages de signatures sur plusieurs colonnes. Là, on en compte 700. Que viene a dar la batalla a los enemigos intestinos de España. Et d'ailleurs, ce manifeste est tellement percutant que l'ambassadeur Léon Joffré ne s'y trompe pas. Il en commande cash 100 000 exemplaires qu'il va faire distribuer largement par les soins de son ambassade. Donc c'est vous dire quand même l'importance que revêtent ces manifestes. Le deuxième grand support de ces polémiques, ce sont les périodiques, j'y ai déjà fait allusion, qui se créent dans ces circonstances, qui sont en général des hebdomadaires et qui vont avoir des audiences, peut-être pas quantitatives, mais qualitatives, en tout cas, remarquables. Alors, du côté allemand, c'est l'hebdomadaire Germania, qui est dirigé par Luis Almeric, qui est soutenu par Jacinto Benavente et quelques autres noms que je vous épargne, qui intéressent évidemment les historiens, mais enfin, voilà, et qui va essayer de présenter sous un jour, ne pas s'appesantir sur les événements de la guerre, mais axer son contenu sur les grandeurs de la culture allemande, fondamentalement. Et du côté aliadophile, eh bien on va retrouver les deux pôles géographiques dont je vous parlais, avec à Madrid l'hebdomadaire España, qui est créé à l'initiative de José Ortega y Gasset, qui en sera le directeur la première année, pour céder ensuite la direction à Luis Araquistain, à la suite d'ailleurs de l'épisode du financement britannique qui répugnait Ortega et dont s'accommodait fort bien Araquistain. Ce qui va donner d'ailleurs une inflexion encore plus engagée, si vous voulez, à Espagne. Et puis du côté barcelonais, alors c'est le journal Iberia qui va là aussi réunir la fine fleur de l'intellectualité catalane. Avec notamment Eugeni d'Ors, qui a d'abord eu d'ailleurs une attitude assez flottante, enfin favorable
au neutralisme, en se réclamant d'ailleurs du pacifisme incarné, on le sait, en France par Romain Rolland. Et d'ailleurs, Dorce avait eu des échanges suivis avec Romain Rolland pendant le début. Mais enfin, poussé par la vague quand même qui existait chez les intellectuels catalans, il s'était quand même rallié aux aliadophiles et a été un des principaux animateurs de cette revue Iberia. Donc, les périodiques. Et enfin, je crois que le temps pressant, les échanges internationaux d'intellectuels. Alors, ces échanges ont été inaugurés par la visite des académiciens français en avril 2006, parmi les... J'ai dit 2007, mais je l'avais écrit. Non, mais c'est attention, non, oui. C'est écrit, oui. Et parmi lesquels on comptait l'historien Imbert de la Tour, qui prit une part très importante à ce combat, mais dont l'étoile, évidemment, était Henri Bergson. Cette visite fut reçue, j'allais dire, comme une visite presque de chef d'État, en Espagne, en particulier à Madrid, avec des réceptions à la Residencia de Estudiantes et puis à l'Ateneo, un lieu dont je vais reparler. Elle se conclut par un banquet à l'hôtel Palace, s'il vous plaît, pour ensuite se déplacer à Séville, à Valence, à Salamanque. Ce fut une chose grandiose et qui eut une énorme répercussion. La presse s'en fit l'écho. Et elle déclencha en retour une visite des intellectuels espagnols qui se rendit en France, en Espagne, conduite par plusieurs académiciens et quelques autres personnalités. Et parmi les plus marquants, je citerai l'historien Rafael Altamira, Menéndez Pidal, Américo Castro, qui fut le secrétaire de la délégation, et Manuel Azaña. Et je vais y revenir. Et de cette visite des intellectuels espagnols en France, nous avons, dans le bulletin hispanique toujours, un compte-rendu remarquable qui est d'ailleurs signé de Manuel Azaña. Ce compte-rendu... que je ne peux pas vous détailler ici, évoque les réceptions tout à fait officielles qu'a reçu la délégation à Paris, où ils furent reçus par les plus hautes autorités, mais aussi, et je dirais surtout, la visite qu'ils firent sur la zone du front à Reims et jusqu'à Verdun, et qui marqua très profondément ceux qui y participèrent. En voyant de près, on était déjà dans une phase avancée de la guerre, ce que voulait dire c'est cette machine formidable de la mort à laquelle les poilus se trouvaient affrontés, la réaction faite de stoïcisme des soldats français les impressionna particulièrement, mais il note aussi les destructions du patrimoine, et en particulier, par exemple, de la cathédrale de Reims, si bien que cette visite provoque de gens qui étaient avant des sympathisants, si vous voulez, mais réellement une prise de conscience qui fait d'eux, beaucoup plus que cela, des témoins engagés, soutenant l'effort de guerre français. Et cette visite va avoir des conséquences très importantes que je ne vais pas pouvoir détailler et qui vont se concentrer dans cette institution madrilène si prestigieuse qu'est l'Ateneo de Madrid. Et c'est ici que je vais retrouver Manuel Azaña. Vous allez me dire que j'en suis un peu maniaque. J'ai mes raisons pour cela que je pourrais expliquer après cette séance. Et il faut savoir que cet Ateneo de Madrid, fondé en 1835, je ne vais pas vous résumer son histoire,
avait affirmé, surtout depuis les années 1900, après le désastre de 1998, avait une fonction, je dirais, critique, ouvrant ses portes d'ailleurs à de nouveaux courants. On y trouvait désormais des socialistes et même quelques anarchistes, ce qui était quand même très remarquable. Manuel Azaña, né, je vous le rappelle, à Alcalá de Henares en 1880, il avait fait son entrée sur la pointe des pieds en 1903, mais en 1913, et ceci a son importance, il en était devenu secrétaire, élu sur une liste que conduisait d'ailleurs le comte de Romanones, futur chef du gouvernement. Et il va prendre cette fonction très au sérieux, mettre de l'ordre à l'Athénéo, revoir ses méthodes de travail, l'ouvrir à de nouveaux débats, et participer à, déjà à l'action politique. Il s'engagera dans le parti réformiste de Melquiades Álvarez, qui figure parmi les aliadophiles. Et il va participer aussi à la fondation de la Ligue d'éducation politique fondée par Ortega y Gasset. Bref, il est sur tous les fronts. Or, il va, par la plume et par la voix, donner, je pense, au combat des aliadophiles la résonance la plus ample qui nous soit parvenue. Je citerai donc trois de ces textes. Celui dont j'ai parlé, Nuestra Mission en Francia, publié dans le bulletin hispanique, à laquelle s'ajoutent d'ailleurs deux compléments, dont un récit de la visite à Toulouse, puis à Bordeaux, de la délégation dont j'ai parlé. Et puis alors, deux textes qui sont les textes de conférences données à l'Athénéo et qui sont réellement, quand on les relit aujourd'hui, parmi les plus beaux témoignages que nous ait laissé la Grande Guerre. Je ne dis pas en Espagne, je dis en général. L'un, c'est sa conférence de janvier 1917, Reims et Verdun, conférence qu'il a illustrée par des photos. Et je vous signale d'ailleurs ces photos, les plaques, des photos qu'il a ramenées, qu'il a eu soin de ramener, qui ont été archivées à l'Athénéo de Madrid, qui les conserve. Je vous signale qu'une exposition se tient ces jours-ci à Alcalá de Henares, j'y étais la semaine dernière. Ces photos sont des témoignages absolument renversants de la guerre en France sur le front. Et il prononce donc une conférence où l'intensité de l'émotion sonne de façon particulièrement poignante. Je m'abstiens de vous en lire des passages, car chaque fois que j'ai essayé de le faire, les larmes me venaient aux yeux. Mais oui, je suis comme ça. On est sentimental ou on ne l'est pas, mon cher. Et puis, car il n'est pas que mu par l'émotion, Azaña, il prononce alors le 25 mai 1917 une conférence sous le titre « Los motivos de la germanophilia », qui est, quand on la relit, un texte magistral du point de vue intellectuel. Car il ne se borne pas du tout à des slogans. Il propose une analyse de la situation de l'Espagne, et en particulier du pourquoi de la neutralité, qui est pour lui une sorte d'aveu de conséquences inévitables des faiblesses et de l'arriération de l'Espagne. Je passe. Mais il en vient au cœur du débat. Pourquoi s'opposer à la cause allemande, à la cause germanique? Et l'analyse qu'il en fait là montre d'abord une culture assez remarquable chez quelqu'un qui n'est pas encore un politique, qui va le devenir, car il prend soin de distinguer la culture allemande telle qu'elle a émergé au XVIIIe siècle, illustrée par de grands noms, qui était une culture marquée par le pacifisme, et le virage que lui ont fait subir successivement la philosophie de Hegel, avec la divinisation de l'État qui en résulte, et justement l'État tel que Hegel l'a pensé, qui, on le sait, est le royaume de Prusse. Et voilà. Et dont il nous dit que, ensuite, oui, je vous lis un passage, l'État, donc,
de l'Empire allemand et aquí pues organizada una máquina poderosa, incontrastable en el interior del país, aspiraba a serlo también fuera, no solo porque el Estado era la fuerza absoluta, no solo porque nieguen la existencia de un principio de justicia a que deban acomodarse en sus relaciones los estados, sino porque el Estado alemán, prusianizado, representaba un momento culminante en la historia del mundo y era el ejecutor de la misión necesaria de los pueblos históricos. Y es là que il va en venir à l'utilisation par la propagande allemande de l'histoire, à l'instrumentalisation de l'histoire, et particulièrement de l'histoire ancienne, ce qui peut intéresser notre propos. Je vous lis le paragraphe le plus représentatif. Il fallait... Oui, al servicio de la ambición y del odio se pusieron no solo la ciencia y sus aplicaciones, sino la pedantería. Los germanos de hoy eran los continuadores de la obra de Arminio y de Alarico. Así es como erigieron sobre una colina poco después de la guerra del 70, es decir, de 1870, una estatua al vencedor de Baro con una espada de 25 pies en la diestra y una inscripción al pie donde se salude a la hecatombe de las legiones romanas y a las victorias de Guillermo I, enlazándolas bajo una idea común: la destrucción de los belgas, de los pueblos de Occidente y del Sur, como obra nacional de los germanos. La pureza de raza, la limpieza de sangre, aria, es un título de dominio sobre los países del caos étnico, donde el mestizaje impera. Caos y mestizaje producidos en todas las naciones europeas que un tiempo fueron provincias romanas. Y aquí estamos. Y Pierre Paris. La duda. ¿Sí, puedo? Sí, bien sûr. Si no acabo, pero si dejo a Pierre Paris. Bueno, muchas gracias. Car Pierre Paris n'était pas indifférent à ce débat. Por lo visto. Mais enfin, quand on ouvre là aussi le bulletin hispanique, on a des textes qui en témoignent. Et qui montrent qu'en fait, si Pierre Paris a retiré Bello de son agenda, c'est parce qu'il avait d'autres urgences. Voici ce qu'il écrit, par exemple, en 1916. « Enfin, l'École des hautes études hispaniques a rempli le plus noble des devoirs en s'attaquant résolument à l'œuvre de propagande rendue nécessaire par l'immense et dispendieux effort de nos ennemis. D'abord, M. Mérimée et moi sommes devenus président et vice-président du Comité international fondé par quelques bons Français de Madrid et dont le siège a été établi à l'Institut. Nous avons pris ensemble la responsabilité par l'apposition de nos signatures de toutes les publications que le comité a jugées nécessaires, de la rédaction et de l'impression des bulletins périodiques illustrés au nom, qui sont aujourd'hui au nombre de 25, de 16 à 52 pages chacun. Alors je pose la question, où les trouve-t-on ces bulletins? Voilà qui serait intéressant pour un futur thésard qui travaillerait sur Pierre Paris. De la centralisation de la propagande française en Espagne. Voilà quel a été le travail
principal de Pierre Paris pendant ses années de guerre, avant Bello. C'était plus important pour lui que Bello, à mon avis. Eh bien oui, entre autres. Et il nous raconte qu'à l'Institut français, il tenait, Mérimée, lui, des séances bi-hebdomadaires de lecture, causerie et conférences sur la guerre données par le directeur et tous ses collaborateurs. Il organisait des tournées de conférences en Espagne, données par exemple par son collaborateur, je pense, Raymond Lantier, et aussi par l'abbé Breuil, car l'abbé Breuil ne s'est pas intéressé qu'à Altamira et au Cave. Il est venu aussi porter la bonne parole patriotique française. Hein? Ah, talvez. Il a aussi utilisé les services d'un historien qui était correspondant du journal des débats, Albert Mousset, qui a été dans les services de l'ambassade et qui a aussi collaboré à l'Institut français. Et donc, vous le voyez, Pierre Paris s'est engagé totalement et je pourrais multiplier les citations, encore une, si vous voulez, dans laquelle il explique que les bulletins qu'il envoyait qu'ils éditaient leur étaient parfois retournés avec des lettres de refus qui émanaient évidemment de germanophiles. Et alors il s'est amusé, c'est moi qui m'amuse, à compiler quelques-unes des formules dans ces lettres de refus. Par exemple, je vous les en lis deux ou trois. « Souvenez-vous de Gibraltar, des assassinats du 2 mai, des partages du Maroc où les Français nous ont tout volé. Ou encore, la France et les Espagnols pour la déroute de Napoléon en 1808. Ou encore, nous, les vrais Espagnols, nous savons comment se sont conduites l'Angleterre et la France avec l'Espagne. » Bref, on le voit, il est immergé jusqu'au cou dans la polémique du côté des aliadophiles dont il est bel et bien un des animateurs principaux. C'est lui qui le dit, il n'y a pas de raison de mettre sa parole en doute. Et je pourrais m'en tenir là, bien que j'ai d'autres citations, si pour finir, je ne voulais pas soulever une question. Dans quelle mesure cet engagement civique et patriotique a-t-il pu interférer avec sa position d'intellectuel et d'archéologue? Et je me suis posé la question, je me la pose, je n'ai pas la réponse, de la manière dont cela l'a amené à concevoir ses rapports avec l'archéologie allemande et avec la figure qu'il a dominée dans ces années-là de façon écrasante, Adolf Schulten, qui venait, je vous le rappelle, de conduire le chantier de Numance avec une certaine énergie, qui lui avait d'ailleurs valu d'entrer en conflit avec les érudits locaux de Soria. Il y a là-dessus des informations précieuses dans le catalogue remarquable de l'exposition qui a eu lieu l'an dernier à Alcalá de Henares, puis à Soria. Qui cependant était devenu une figure médiatique pour la presse espagnole, car il avait su en quelque sorte vendre l'image de Numance à l'opinion. Alors, ce que l'on sait, c'est que Schulten a quitté l'Espagne pendant la guerre et s'est réfugié dans son université donc de Erlangen. Et ce que l'on sait, c'est que je n'ai pas trouvé, pour l'instant, de texte signé Pierre Paris sur les fouilles ou sur les travaux de Schulten. Pierre Paris a fait un article assez important sur la céramique de Numance, mais je n'ai pas l'impression qu'il se soit prononcé sur la nature et les résultats de ces fouilles. En revanche, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, certains interprètes
considère que l'apport de Schulten à l'archéologie, en dehors de ses aspects techniques, a un contenu idéologique très marqué. Et alors, c'est le cas du livre qu'a publié le professeur Fernando Wolf de l'Université de Malaga, si je ne me trompe, le livre qui s'appelle « Las Esencias Patrias », qui est une vaste synthèse d'historiographie dans lequel il se prononce très négativement sur Schulten, d'ailleurs, « un historiador de segunda fila », y cuyos enfoques y trabajos han sido demolidos por la crítica. Ni siquiera su recopilación de fuentes ha sobrevivido incólume. Car ce que Wolf reproche à Schulten, c'est, je le dis, las interpretaciones racistas y esencialistas de los pueblos y de su trayectoria histórica. El refuerzo de los aspectos guerreros en detrimento de los estudios de otro tipo, el interés por las resistencias bélicas, más que por las interacciones culturales. Et donc, une critique fondamentale, qu'il retrouve aussi bien dans son interprétation ensuite de Tartessos, etc., qui est postérieure évidemment à la guerre. Alors, je me demande d'abord si Schepper Paris avait eu une telle conscience de cette dimension cachée de Schulten, et si lui-même avait pris position. Néanmoins, pour lui donner la parole une dernière fois, et ce n'est pas une réponse, mais c'est peut-être une présomption, à propos donc de l'effort des préhistoriens, et notamment et des archéologues espagnols, il se réfère notamment à Hernández Pacheco et Cabré, dans un autre article, il termine en disant qu'il persévère ce dont on ne saurait douter, que les idées libérales, et oui, il dit ça, que les idées libérales triomphent en Espagne et la Junta, car il s'agit de la Junta de Ampliación de Estudios, fera de plus en plus de grandes choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement, me semble-t-il, pour lui, d'un combat civique et patriotique, mais peut-être aussi d'un combat à un plus haut niveau. Je vous remercie. Gracias. Bien, muchas gracias a